for the remainder of the session, I want to come to you for some questions. Microphone, I think, is coming your way. We already have the first two questions here in the first row. I would ask you to be brief so we can get the discussion moving along. We only have approximately a little less than 10 minutes, so please be brief. First question, second question, I'm coming to you. Please introduce yourself quickly. Je vais parler français. Bonjour, rebonjour. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'entendre ce que vous venez de dire. Je crois comme vous que trop longtemps dans l'Union européenne, dans les négociations avec d'autres pays, mais aussi dans notre travail intérieur, nous avons négligé ce qui fait quand même l'originalité profonde de l'Union européenne par rapport au reste du monde, c'est-à-dire notre ensemble de valeurs et de règles de droit. C'est le seul ensemble politique au monde où la peine de mort est interdite pour y entrer et pour y rester. Donc, il y a évidemment eu des progrès que vous avez soulignés quand nous disposons du levier nécessaire. Par exemple, le grand succès de la du RGPD, du PDA, appuyé sur la force du marché intérieur, évidemment. Mais lorsque nous n'avons pas ce levier-là, je crois que nous sommes dans un état de fragilité importante. Et nous en parlions hier, je suis très inquiète, pas seulement de ce qui se passe en Hongrie ou en Pologne, peut-être que Bogdan nous en parlera tout à l'heure, mais quand je vois ce qui se passe en France, actuellement, en prévision de la future campagne présidentielle, l'année prochaine, et que j'entends, que je vois d'abord à longueur de colonne, dans de grands journaux de référence, un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, un des plus grands juristes en France, dire qu'il faut s'affranchir du respect de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, je suis alarmée. Et quand je vois, ce qui est pire encore, de grands responsables politiques, y compris quelqu'un avec qui j'étais ami, qui a négocié le Brexit, dont la principale discussion au départ avec les Britanniques, c'était le respect de la Cour de justice européenne. Quand je vois cette même personnalité entrant dans une pré-campagne présidentielle, remettre en cause la suprématie de nos traités, des cours de justice, je suis alarmée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça, cher commissaire? Je connais votre détermination, vous avez déjà fait beaucoup, mais voilà. J'espère qu'on n'écrira pas dans les prochaines semaines ou mois, requiem pour l'état de droit dans l'Union européenne. Alors, ben, je vais garder peut-être la traduction parce que je vais peut-être vous répondre en français. Chère Elisabeth, je dirais que, première chose, j'ai réagi évidemment à un certain nombre des éléments que vous venez d'évoquer parce que c'est inacceptable pour nous de mettre en cause non seulement les valeurs qui fondent l'Union européenne, mais c'est inacceptable de mettre en cause la primauté du droit européen, je le disais, lorsqu'il est évidemment d'application parce que nous sommes compétents dans certaines matières. Mais surtout, c'est inacceptable de remettre en cause les décisions contraignantes de la Cour de justice, exactement comme les décisions d'une Cour suprême dans un État, y compris en dehors de l'Union. Alors face à cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous menons toutes les actions nécessaires, y compris à nouveau des recours devant la Cour de justice avec des sanctions financières, dès que l'on sent un dérapage par rapport à cela. Et les pressions sont utiles. Vous avez rappelé l'interdiction d'application de la peine de mort, c'est vrai aussi au Conseil de l'Europe. C'est ce qui fait qu'aucun pays membre du Conseil de l'Europe, bien au-delà de l'Union européenne, n'a réintroduit cette peine de mort. Seul le Bélarus est en dehors du Conseil de l'Europe à cause essentiellement de la peine de mort. Peut-être maintenant d'autres éléments qui sont venus s'ajouter. Donc ces pressions sont utiles. Alors, il y a évidemment des débats électoraux dans lesquels on doit
prendre avec un peu de distance certaines déclarations, mais ça étant, les tendances sont là. Et donc nous devons être beaucoup plus actifs sur la protection d'un certain nombre de principes qui fondent notre union. Et je le répète, c'est ce qui fait que nous avons introduit un certain nombre d'actions maintenant, mais qui se traduisent en bout de course par des sanctions financières. Et je terminerai en disant, parce que je sais que ce sera un des nerfs importants de cette guerre sur l'état de droit, le lien entre le respect de l'état de droit et le financement des politiques est très important. Et nous allons mener de plus en plus ce débat au sein de l'Union européenne, comme nous le menons avec les pays candidats ou avec les pays de partenariat. Et comme je le disais, nous travaillons avec la Banque mondiale de plus en plus pour aller dans cette même direction, d'intégrer l'approche état de droit, respect des valeurs, respect des droits fondamentaux, dans une certaine conditionnalité sur des financements. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur les droits fondamentaux, encore plus que sur l'aspect démocratique des régimes. Nous sommes convaincus qu'il faut mettre en avant la démocratie, mais on sait que dans le monde, ce n'est pas partagé unanimement. So we're almost at the end of the session. I allow for one final question. Please make it a short one. Thank you. Thank you very much. I'd like to underline that that I share your opinions, you know, totally. It means that we live in the common space in Europe. We live in the common space of values. And they were, of course, expressed in the Article 2 of the Lisbon Treaty, but they are more in our hearts and in our minds. And for my compatriots in Poland, around 81, between 81 and 86% of our society is in favor of those values, expressing the satisfaction of belonging to the European Union. The European community, the European Commission should be a guardian of those values, and I'd like to congratulate you personally, that you do as much as possible, you know, to guard those values. But I would encourage you and the whole Commission to do more, because without the Commission that is a clear guardian and reacts very quickly, you know, on every attempt to assault, you know, on those values, will not this common space will be divided and will not survive as the European community. So I don't have any questions. These are congratulations plus encouragement to do more. Well, I tell you, this is a perfect way of... Maybe just one word about that. Thanks for the congratulations, but I want to say that we are trying to do more, because since less than 2 years, we have put into place the so-called rule of law report, so a real report on the 27, but also a new mechanism, the conditionality with the funding of policies and the respect for the rule of law. You know that we are in discussion now about the recovery and resilience plan, because we want to see reforms in the justice system, to be concrete in your country, before to go further with some funding. And why? It's important to explain that just in two words. First, a Polish judge is a European judge, like a German one or a French one. It's a European one. So it needs to apply the European rules. And the second element, it's a protection for all the individuals and for the internal market. If you need to go to justice, you need to be sure that you have in front of you an independent, qualified, if it's possible, and efficient judge. And if you want to invest in another member state, you need to be sure that if you have a problem with the authorities or with competitors, you will go to an independent justice system. As the reason why the first chapter of our rule of law report, it's about the independence of the justice system. It's a protection of individual rights, but it's a protection of the internal market, but it's one of the most important elements of the union, you know that. And so thanks for the congratulations, but be sure that we'll continue, because it's a real protection of the union. We don't result such a protection of values, we'll have less and less a real union in Europe. A fascinating, a very timely and important discussion, which we could have, of course, continued for much, much longer, many more, certainly to be continued. That's for certain. Apologies to those whom I could not call upon for more questions, but we're getting the sign to wrap up. Needless to say, aside from the compliments and praise that you're getting, your job is not going to get any easier from here on. I think that's for sure quite a difficult task ahead when democracy is under assault all across the world, but also within Europe. Ladies and gentlemen, the European Commissioner for Justice, Didier Reynders, please give him a hand. Thank you so much. Thank you. Thanks.